Salut, bienvenue dans 101%. Le vendredi, c'est n'importe qui et aujourd'hui, c'est moi, 2080. Vous m'avez peut-être déjà vu si vous avez regardé les clips indépendants. C'est le clip Fatality featuring les Gourmets. Alors aujourd'hui, vous aurez droit à la critique du jeu. Ce soir, j'ai Raid, la critique animé manga. Mais tout de suite, les news. Après le succès critique de Demon's Souls, dont on vous avait parlé dans EXP numéro 11, From Software, le développeur, décide de réutiliser son savoir-faire en matière d'univers sans pitié avec Dark Souls, initialement connu sous le nom de Project Dark. Si aucune image n'est disponible pour le moment, on sait déjà que le titre prévu pour la fin de cette année au Japon sur PS3 ne devrait pas partager de points communs avec l'univers de Demon's Souls, si ce n'est son côté impitoyable, trial and error, et entraide à travers des messages laissés par d'autres joueurs. Dark Souls devrait également sortir sur 360 dans le reste du monde, un risque plutôt calculé dans la mesure où Demon's Souls s'est vendu à un peu moins de 200 000 unités en Europe et à un peu plus d'un demi-million aux US. On reste avec From Software et sa série fétiche de mecha Armored Core. Prévu en novembre dernier, le cinquième volet avait finalement été repoussé à une date non communiquée pour le moment, et ce pour des raisons qui restent encore obscures. En revanche, on sait déjà que c'est Namco Bandai Games qui s'occupera de la distribution aux US. Une annonce qui nous laisse penser que le jeu débarquera également chez nous, les épisodes précédents ayant pratiquement tous été localisés en France. Works n'en finit plus avec sa série BlazBlue, amorcée il y a maintenant 3 ans. Le studio japonais dévoile aujourd'hui son nouvel épisode Continuum Shift 2, prévu pour les portables de Sony et Nintendo dans un nouveau trailer. Rappelons qu'il s'agit d'une conversion de l'épisode arcade sorti le 9 décembre au Japon. BlazBlue Continuum Shift 2 sera exclusif aux consoles portables Sony et à la petite dernière de chez Nintendo et est prévu pour le 31 mars 2011 au Japon. Même si l'on reste optimiste, aucune date européenne ou américaine n'a encore été annoncée. Une situation un peu triste dans la mesure où la 3DS est zonée, inutile donc d'essayer de se procurer quoi que ce soit en import. Successeur spirituel de Guilty Gear, BlazBlue risque fort d'intéresser ceux qui voudraient une alternative à Street Fighter. Et voilà, c'était les news, des super news. Tout de suite, ça va être la critique de jeux vidéo. Et j'en profite pour dire, en parlant de critique, que j'aimerais bien revoir les Hall of Shame, parce que ça, c'était de la bonne critique. Oh yeah ! Présenté à l'occasion de l'E-Cube 2010, Mario Sports Mix est l'une des rares productions Square Enix à mettre en scène Mario. La première remonte à Super Mario RPG. Quant à Itagaki Street DS, qui faisait se côtoyer des slimes et des toads, il n'est sorti qu'au Japon en 2007. La même année, c'est Mario Slam Basketball, toujours développé par Square Enix, qui débarquait en Europe sur DS.
Avec Mario Sports Mix, le spécialiste japonais du RPG fait une nouvelle fois des infidélités à son genre de prédilection, sans pour autant abandonner ses univers. Les amateurs de Square Enix retrouveront ainsi avec plaisir certains personnages issus des séries Dragon Quest ou Final Fantasy. Mais ce qui surprend d'emblée avec ce titre, c'est le fait que plusieurs disciplines soient proposées, ce qui est contraire aux habitudes sportives de Mario. Là où ses dernières apparitions se limitaient le plus souvent à un sport, que ce soit le golf, le tennis, le baseball, le kart, le basket, ou plus récemment le football avec Mario Strikers Charge sur Wii, ce Mario Sports Mix en aligne 4, le volleyball, le dodgeball, le hockey et le basket. Ce qui est trop peu comparé à un Wii Sports Resort par exemple, voire à un Mario et Sonic au JO, ou trop si les sports représentés n'ont pas la profondeur nécessaire pour finalement ressembler davantage à des mini-games. Square Enix respecte la tradition Nintendo et se fend pour ce nouveau titre d'un scénario aussi ridicule qu'accessoire. Au royaume champignon, une météorite s'écrase à proximité du château. Les Toads s'empressent alors de foncer sur le lieu de l'impact pour découvrir au centre du cratère l'une des structures de Super Mario Galaxy. Ils découvrent figés à l'intérieur 4 items, un palais et 3 ballons. L'idée de transformer ces objets en trophées et d'organiser 4 énormes tournois germe très vite dans leur grosse tête. Et voilà toute la Smala Mario embarquée dans une nouvelle compétition à grande échelle. Le plus drôle, c'est que Square Enix s'est même autorisé quelques rebondissements scénaristiques au fil de la compétition, que l'on vous laisse le soin de découvrir. Après avoir sélectionné votre slot de sauvegarde parmi les 4 alignés, Mario Sports Mix affiche 3 options de jeu. La sélection immédiate de l'un des 4 sports proposés, le mode connexion Wi-Fi Nintendo et le mode fête. À ces modes s'ajoutent les archives qui permettent de consulter ses statistiques. Si vous choisissez un sport, 2 options s'offrent à vous. Attaquer dans le vif du sujet avec un match amical ou débuter un tournoi. Vous devrez ensuite déterminer le nombre de joueurs participants de 1 à 4, ainsi que la configuration des équipes. Il est en effet possible de jouer en coop à 3 contre 3 ou en versus à 3 contre 3 ou 2 contre 2. Niveau manette, 2 configs sont gérés, Wiimote plus Nunchuk ou Wiimote seul, celle-ci étant alors tenue à l'horizontale. Pas de Wii Motion Plus en revanche, Square Enix ayant décidé de faire dans la simplicité et de toucher le plus large public possible, et non pas seulement les amateurs de Wii Sports Resort. Une fois les équipes formées, chaque joueur aura l'opportunité de sélectionner son personnage parmi les 12 proposés, sachant qu'il sera possible d'en débloquer 6 de plus et que vos amis peuvent s'inviter à la partie. Sur les 12 initiaux, seuls ceux de la Mario's Family sont présents, les 6 bonus étant issus des sagas Final Fantasy et Dragon Quest. Yo ! Mario, Wario, Luigi, Waluigi, Bowser, Bowser Jr., Donkey, Diddy, Toad, Yoshi, Peach et Daisy, ils sont tous là. Pas de surprise donc. Chacun possède des attributs propres dans 3 domaines, puissance, vitesse et technique. Si vous avez décidé de participer à un match amical, vous aurez le choix entre 3 niveaux de difficulté, facile, normal et difficile, et la possibilité de modifier certains paramètres du match, comme le nombre de périodes, le temps de possession ou encore l'angle de vue. Les tournois, eux, sont composés de 3 championnats, la Coupe Champignon, la Coupe Fleur et la Coupe Étoile. Chacun comprend 2 manches éliminatoires et une finale. Le fait de terminer un tournoi débloque le mode difficile, mais ouvre également des passages secrets qui permettront d'obtenir de nouveaux personnages et des niveaux inédits en rejoignant une coupe. On ne va pas s'attarder sur les commandes propres à chaque sport, mais sachez que les contrôles sont un peu plus basiques. En gros, on attaque et on défend avec un bouton ou un mouvement de la Wiimote, et on active des bonus avec l'autre. Quelques subtilités sont bien entendu proposées. Pour prendre l'exemple du basket, on peut feinter avec le stick et le bouton Z, et on maintient le bouton A pour réaliser des combinaisons. Le volleyball, lui, inclut une petite subtilité avec la possibilité de viser des zones précises du terrain adverse. Le dodgeball permet de jouer avec ses partenaires faits prisonniers sur les côtés du terrain. Enfin, le hockey gère des tirs chargés. Tous les sports ont en commun les coups spéciaux, propres à chaque personnage, qui peuvent être déclenchés une fois la jauge remplie. Yeah.
A noter que ces coups, aussi spectaculaires soient-ils, peuvent être contrés avec un bon timing et un minimum d'adresse. Selon les terrains, les joueurs auront également accès à des pièces qui permettront de multiplier ses points et aux bonus habituels, carapace, banane, bombe et autres étoiles. Chaque terrain possède également ses particularités qui influeront sur le gameplay, voire le déroulement de la partie. Comme ce terrain de basket où des multiplicateurs de points peuvent être attribués en fonction de l'endroit où l'on tire. En plus des 4 sports, 4 minigames sont accessibles via le mode fête, chacun reprenant la mécanique propre à un sport. Parmi ceux-ci, on trouve Flora à faim, où il faut nourrir Flora Piranha en lui envoyant des fruits façon basket. Esquive Bobombe, où les joueurs doivent survivre à une avalanche de bombes envoyées par des canons situés sur les bords du terrain. Smash Hockey, où l'on doit patiner tout en envoyant bouler ses adversaires hors du terrain, qui rappelle le minigame mise au point de Wii Party. Et enfin l'excellent Tir Musicaux, inspiré du volley, où tous les joueurs doivent collaborer pour envoyer à temps des ballons de notes de musique. Et voilà, on a fait le tour du jeu. Sports et 4 mini-games. C'est peu et beaucoup à la fois, mais globalement, ça ne suffit pas. Les sports, aussi rigolos soient-ils, manquent en effet de profondeur en termes de gameplay, pour finalement se contenter du statut de mini-games étoffé. On regrette ainsi l'absence de combinaisons plus complexes ou de mouvements nécessitant un minimum de pratique. Il est ici évident que Square Enix a cherché à faire accessible, sans se creuser la tête pour développer une seconde couche de gameplay, plus technique, destinée aux joueurs aguerris. Les sports représentés restent fun malgré tout, et la possibilité de jouer en versus ou coop étoffe le gameplay tout en autorisant de bonnes rigolades. On regrettera cependant qu'en coop, l'IA des adversaires ne représente pas un challenge digne de ce nom. Débuter un tournoi en coop est ainsi une expérience étrange, où un point adverse est en soi un événement. Même en mode difficile, le jeu reste facile. Heureusement, il est possible d'affronter d'autres joueurs via la connexion Wi-Fi Nintendo, qui fonctionne d'ailleurs plutôt bien. Les sports représentés sont également inégaux, et il est amusant de voir à ce niveau à quel point les avis divergent. Certaines critiques mettent ainsi en avant le basketball, d'autres le hockey. Nous, on préférera le volley. Le basket est rigolo et jouable, mais offre bien moins de possibilités qu'un NBA Jam. Le hockey, lui, est trop limité pour tenir la comparaison face aux excellents NHL Hits 2002 et 2003 de la GameCube, pourtant assez simple. Le dodgeball est sans doute la grosse déception de cette compile, avec un gameplay trop mou qui nous fait cruellement regretter celui incisif du Super Dodgeball de la Neo Geo. Un temps de préparation trop long accompagne en effet chaque tir et l'essence même du jeu perd en substance. Seul le volley parvient à se démarquer grâce à la précision requise par les tirs et le côté plus frénétique du gameplay qui rend les parties très dynamiques. Quant aux minigames, ils n'amuseront qu'un temps et s'avèrent trop peu nombreux. En termes de rejouabilité, on appréciera la possibilité de débloquer de nouveaux personnages, même s'il faudra pour cela le faire dans chaque sport. Les passages secrets du mode tournoi sont aussi un petit plus fort sympathique, mais globalement, on a quand même assez vite fait le tour. Mario Sports Mix est donc un titre sympathique mais mineur, se destinant avant tout aux soirées en famille. Grâce à sa bonne jouabilité et sa finition soignée, il reste néanmoins bien supérieur à l'immense majorité des compiles minigames et autres simulations sportives sorties par d'autres éditeurs que Nintendo, comme Mario & Sonic au JO par exemple. La critique de jeux vidéo, une critique dure mais juste. Moi quand je pense aux MMORPG, je pense surtout aux jeux de rôle, parce que moi j'ai jamais été MMO, mais j'ai pas mal joué sur table, j'ai même maîtrisé à Shadowrun, et c'est quand même loin derrière moi tout ça. Mais bon, tout de suite, ce soir j'ai raid. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez tous vos flacons et vos potions, parce que ce soir on raid. Allô, oui ? Allô, Seb ? Oui ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous attendez que je raid un méchant boss pour me piquer l'émission ? Mais non, non, c'est pas trop sympa, là, mais... Pour là, je fais de l'hyperventilation, donc... Tu sais de quoi je suis capable, hein, si ça se passe comme ça. Je peux juste sortir dehors, voir des gens, quoi. Arrêtez les jeux vidéo, non, me faites pas ça, quoi. C'est vraiment pas cool, s'il vous plaît. Oui, comme je disais, ce soir, on raid.
Alors, dans les news, on a une collision entre deux jeux en ligne, avec Rift, le prochain MMO de Trian Worlds, qui s'incruste un petit peu dans Team Fortress 2, avec des objets spéciaux à débloquer, donc des chapeaux, de Rift dans Team Fortress 2. Donc voilà, moi, je sais pas vous, mais c'est quand même une première. Une collision comme ça entre deux jeux, c'est plutôt rigolo. Et puis sinon, du côté de World of Warcraft, on a quand même la guilde Paragon, guilde européenne donc de Finlande, qui a terminé le tier 11 du raiding de Cataclysme, donc de la nouvelle expansion de Blizzard. Donc Paragon a tombé non seulement Lady Sinestra, le boss optionnel héroïque de l'extension, là, enfin en tout cas de ce premier tiers, mais aussi Alakir en 25 héros. Donc ce qui n'était pas une chose très très facile de toute façon dans les deux cas. Donc c'est des joueurs très très bien organisés, donc qui ont bien décrit après coup leur kill avec leur strat et leur vidéo. Il y avait pas mal de bugs qu'ils ont dû contourner pour tomber sur tous les Lady Sinestra, donc apparemment l'affrontement n'était pas tout à fait terminé quand ils y sont arrivés, et ils se sont battus à peu près pendant une semaine pour arriver à la tombée, sachant qu'il y avait Blizzard de l'autre côté, les développeurs, qui terminaient un petit peu l'affrontement, en tout cas qui corrigeaient beaucoup beaucoup de choses qui n'étaient pas tout à fait terminées. Donc un grand bravo à eux pour avoir tombé ces boss. Et pour finir, on va voir le MMO de la semaine, donc c'est quelque chose que vous verrez très bientôt en reportage sur nos lives, parce qu'on a une interview du producteur du jeu. Ça s'appelle End of Nations et c'est développé par Petroglyph et publié par Trian Worlds. Vous connaissez peut-être le studio Petroglyph pour ses RTS, comme ses épisodes de Panzer General ou encore Star Wars Empire at War. Ce studio rassemble en effet les créateurs principaux de Command & Conquer du temps de Westwood Studio, avec même Joe Bostick qui avait travaillé sur Dune 2. Mais quel est le rapport avec les MMO ? Eh bien, c'est leur dernier projet, End of Nations, aujourd'hui en développement et qui se veut le premier MMORTS du marché. Dans End of Nations, chaque joueur contrôle une escouade de quelques véhicules offensifs, tanks, artillerie ou intercepteurs rapides. Il faut bien réaliser que ici, le personnage du joueur, c'est son escouade. L'équivalent de se soigner dans un MMO consistera dans End of Nations à réparer ses véhicules et récupérer les tanks perdus. Il faut voir aussi qu'il y a des parallèles évidents entre les escouades et des classes des MMO. L'artillerie, par exemple, ressemble beaucoup à un sorcier, puissante à distance, mais faible au corps à corps. Mais la grosse différence est qu'il n'y a pas de classe de soins dans End of Nations. Pour vaincre l'ennemi, le joueur doit coordonner son attaque avec les autres joueurs. Il peut aussi utiliser ses capacités de commandeur. En pratique, il peut par exemple augmenter la précision des unités ciblées pendant un court moment, ou encore appeler un raid aérien. End of Nations est un pari audacieux qui peut se révéler très intéressant selon nous. Nous aurons l'occasion de revenir très bientôt sur ce jeu sur nos lives. Voilà, c'est la fin de ce soir j'ai raid, donc je vous dis à dans deux semaines. Allô Seb ? Oui bon bah ça va pas le faire, écoute, je suis sorti dehors, y a même pas de donjon à rocher. Non non, je suis désolé, là, dans deux semaines je reprends l'émission, que ça te plaise ou non, hein. Voilà, c'est comme ça. C'était ce soir j'ai raid. J'ai un souvenir bien particulier d'un moment de mon enfance où j'allais dans la boutique qui vendait des animés et des mangas et j'achetais Chronique de la guerre de Lodos. Et je me souviens avoir vraiment vraiment adoré ce dessin animé on regardait ça avec tous mes potes et c'est vraiment des bons souvenirs ça. Tout de suite, la critique animé manga. Pour la petite Heidi, la vie n'a pas très bien commencé. Devenue orpheline peu après sa naissance, c'est sa tante Dette qui fut contrainte de s'en occuper. Mais le jour où cette dernière trouve un nouveau travail et doit déménager, elle confie la petite fille à son grand-père surnommé l'oncle de l'Alpe. Heidi saura-t-elle s'adapter à ce vieux monsieur bourru à la mauvaise réputation, ainsi qu'au rude climat de la montagne ? La série Heidi, ou Alps no Shoujo no Heidi en version originale, est l'adaptation de deux ouvrages de l'écrivaine suisse Johanna Spyri, Heidi et Heidi grandit. Publiés à la fin du 19e siècle, ces romans ont connu un succès immédiat et constituent l'œuvre majeure de Johanna Spyri. Grand-père, c'est moi, Heidi. Oh,
qu'est-ce donc que je vois là, hein? La série Heidi a été diffusée pour la première fois à la télé japonaise en 1974 dans le cadre du Kalpis Comics Theater. Ce projet qui deviendra plus tard le World Masterpiece Theater était une collection d'animés créée à partir de classiques de la littérature mondiale. La plupart de ces séries ont été diffusées en France. Hé, hey, Pierre! Tu es en retard ce matin! Les nostalgiques se rappelleront ainsi de titres comme Princesse Sarah, Le Petit Lord ou encore Papa Longue Jambe. Attends! Heidi, reste ici avec ton grand-père. Dis-moi, Dette, j'aimerais bien savoir ce que tu comptes faire maintenant que tu m'as amené la petite. Je vous l'ai amenée dans l'intention de vous la laisser. Tiens, Heidi, qui arriva en 1978, fut l'une des premières à atteindre nos petits écrans. Pour l'anecdote, le doublage de l'époque était un doublage québécois. Je vois. Je vois. Et si cette petite est malheureuse, si elle te demande, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je peux lui dire? Je n'ai pas l'habitude. Cet animé a bénéficié du travail de grands noms de l'animation. Au générique, on retrouve ainsi Isao Takahata à la réalisation et Hayao Miyazaki au layout. Facile à dire, hein? Écoutez-moi donc une minute. Quand cet enfant était encore dans ses langes et que j'avais déjà bien assez de travail à la maison, à m'occuper de maman et de moi, personne n'est venu me le dire à moi ce qu'il fallait que je fasse, hein? J'ai trouvé un bon travail, ce qui me force. Il serait abusif de dire que l'on sent déjà la patte du studio Ghibli dans cet animé. Par contre, force est de constater que l'ensemble a plutôt bien vieilli. Les décors restent splendides et l'animation est d'une fluidité exemplaire pour un animé de cette époque. De toute façon, si vous ne voulez pas la garder, eh bien faites-en ce que vous voulez. Seulement, rappelez-vous, à l'avenir ce sera de votre faute s'il lui arrive quelque chose. Mais ça vous est sans doute égal. Assez! Ça suffit comme ça! Ça va, maintenant va-t'en! Tu m'entends? Allez, ouste, et que je ne te revois plus jamais! Oh, qu'est-ce que tu fais, grand-père? Un trou? À ton avis, qu'est-ce que c'est? La musique est signée Feu Watanabe Takeo, un compositeur marquant des années 70-80, à qui l'on devait de nombreux openings d'animés comme celui de Cutie Honey, de Candy Candy ou encore celui de Georgie. C'est mon tabouret, mais comme il est grand, dis donc, grand-père. Il est pour moi, hein, le tabouret? Tiens, voilà, il est fini. Prends-le. Édité chez Kazé, cette première box de Heidi est sortie en décembre dernier. Elle contient les épisodes 1 à 26 répartis sur 5 DVD. Malheureusement, comme c'est trop souvent le cas chez Kazé, ce coffret ne présente aucun bonus et se distingue par l'absence totale de la VO et des génériques originaux. C'est donc le néant total côté valeur ajoutée. Et ce n'est pas le soin apporté au coffret ni à la page de menu des DVD qui va rattraper le tout. Hier encore, à Mayenfeld, Heidi était une enfant de la ville. Pour une série vintage telle que Heidi, et qui de surcroît a été réalisée par des artistes aussi célèbres que Takahata et Miyazaki, on aurait pu s'attendre à une édition bien plus remarquable. Dommage. Dans le merveilleux décor des pâturages sans fin. Tu ne vas pas me mordre, hein? Je l'ai pas fait exprès. Je te le jure. Je m'appelle Heidi. C'est ma maison aussi maintenant, tu sais. Si tu veux bien, on sera amis, d'accord? Oh, Hercule, tu m'écoutes. Les éditions IMHO spécialisées dans les titres underground continuent sur leur lancée avec le manga Tokyo Zombie de Hanakuma Yusaku. Sorti en 1999 au Japon, cette BD fut même adaptée au cinéma en 2005 avec dans les rôles-titres les stars Asano Tadanobu et Aikawa Sho. Le DVD de ce film live est d'ailleurs disponible en France. Tokyo Zombie met en scène deux amis, Fujio et Mitsuo, qui profitent de leur pause à l'usine où ils travaillent pour s'entraîner au Jiu-Jitsu. Les jeunes hommes projettent en effet de devenir des combattants professionnels. Suite à un incident, ils tuent leur patron et décident de se débarrasser du cadavre sur le Fuji Noir, un immense dépôt de déchets toxiques. Or, un jour, ce tas d'immondices donne naissance à une armée de zombies qui va s'attaquer au Japon. Les deux amis essayent alors de fuir vers la Russie, mais Mitsuo, contaminé, décide de continuer seul. Une fois l'invasion bien avancée, la société se retrouve divisée en deux castes. Les pauvres travaillent comme esclaves au service des riches qui se prélassent devant des matchs de catch opposant humains et zombies. Revenu d'on ne sait où, Fujio décide de prendre part au combat.
Tokyo Zombie est un exemple type du Heta Uma, un style artistique qui, en japonais, se traduit littéralement par maladroit mais doué. Le manga présente en effet un graphisme très sommaire, voire laid, mais qui est exploité avec talent. Quant à l'histoire, bien qu'elle soit complètement absurde, elle n'en est pas moins dénuée d'humour noir ni de référence au film de zombies. Ce scénario et ses dessins volontairement approximatifs rebuteront sans nul doute le grand public fan de shonen. Cependant, il est toujours agréable de voir ce genre de production singulière sortir en France. C'était les critiques animées manga. Voilà, ce 101% touche à sa fin. On va devoir se quitter. Et voilà, je suis 2080 du label Gourmet Recordings. Vous pouvez me retrouver sur vos réseaux sociaux préférés. Et à bientôt.